qu'il n'y a pas dans notre langue, chez tous les Akans, c'est pas seulement chez nous, au pays Baoulis, il n'y a pas de mot pour distinguer le cousin et la cousine issus des tantes utérines. Ce sont des frères au même titre que les autres, ayant les mêmes droits que les autres. C'est notre salle connue, le conseil de la famille. Voilà. C'est votre sœur aînée qui préside le conseil. Qui préside, qui que ce soit là. Moi, je reste à côté d'elle. Elle vous autorise à vous asseoir à côté d'elle? Oui, oui, c'est elle qui m'assoit là. Et les deux sœurs, les cousines. Ah, vous pouvez vous asseoir, oui, c'est pas sacré. Alors, vous m'autorisez. Oui, vous pouvez. Et les membres de ceux que nous voyons, les membres de la famille, les descendants de quatre sœurs sont ici, et les cousins descendants de nos frères, les représentants de. Alors nous traitons nos affaires de famille ici. Le village est donc formé par les descendants de ces cinq enfants de Boigny et de Cocobré. Nous qui sommes dans cette cour sommes les descendants de la femme, parce que c'est la ligne matrilinéaire qui a le pas sur les enfants des frères. Et ici, en face de nous, c'est la maison de la sœur aînée, peut-être, ici. À sa droite, c'est Madame Beaucoup, veuve Beaucoup, sa sœur. À sa gauche, Guénaba Sissé, c'est une cousine, mais fille d'une tante à nous. Par exemple, si on vient demander la main d'une femme chez nous, eh bien, c'est dans cette salle que nous donnons la réponse. Il est pris le petit, je n'ai pas pu la sauver. Et ça a été pour moi la condamnation définitive. Je n'ai jamais chassé, je n'ai jamais tué une poule. Je marche sans une aiguille sur moi. C'est Dieu qui me protège. Confirmé dans cette position que le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.
It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Donc, c'est Dieu qui nous donne la vie, c'est Dieu qui nous reprend la vie. Et cela, tout le monde connaît. Dieu, même les animistes connaissent qu'il y a un Dieu, un être suprême, ils le connaissent. La seule différence, moi qui ai vécu et qui connais les rythmes de l'animisme et qui suis à l'âge de, hein, j'ai eu un vernis de religion, comme la plupart de nos frères. Quand on gratte dessous, il y a l'animisme. La seule différence, c'est que on nous dit, si vous n'obéissez pas à ces 10 commandements, vous pouvez perdre le paradis, perdre le ciel. Ce sont les mêmes commandements chez les animistes, ils sont les mêmes. Mais ils vous disent, si vous ne respectez pas, vous aurez la mort. Voilà la seule différence. C'est pour cela que quand un vrai animiste doit jurer sur le fétiche, parce qu'il craint la mort, il dira la vérité. Beaucoup plus que le catholique, le protestant ou d'autres. J'irai de dire la vérité, il y en a qui jurent, ça ne les engage pas, ils ne craignent rien. Mais le féticheur, le vrai, l'animiste, il ne peut pas. Il est obligé, s'il est resté animiste pur, il est obligé de dire la vérité. Il ne jurera pas, parce qu'il risque sa vie. La voiture passe ici. Oui. Dépose le corps, elle ressort de l'autre côté. Elle ressort de l'autre côté. Vous avez tout prévu. Oui, oui, oui. Ma tombe. C'est ma tombe à moi. C'est celle que j'ai choisie en face, mon frère unique. À droite, mon fils est né. Et à gauche, la maman. Et tous les autres, le temps. Nous l'avons prévu même pour le petit-enfant, il y a 68. Ma égalité. Mais qu'est-ce que ça vous fait, monsieur le président, qu'on soit à cet endroit-là? Un baoulé peut toujours revenir. Le corps doit toujours revenir au village, même le plus petit. C'est là où il doit être enterré. Et nous en sommes encore là. Oui. C'est après votre mort qu'on décide de votre héritage. Même quand on dit dans la ligne matrilinéaire que c'est le neveu, ça ne veut pas dire forcément tel neveu du vivant de son père, de son oncle. Quatre neveux, dix neveux, on choisit celui qui pourrait le mieux servir la cause de la famille. Parce que le legs est individu, on ne partage pas. C'est pour toute la famille. Vous êtes le gardien. Et dans la coutume à Caen, vous avez la faculté d'augmenter ou ne pas augmenter
l'héritage que vous avez obtenu de vos ancêtres. Mais en aucun cas, vous n'avez le droit de diminuer d'un gramme cet héritage. Mais cette conception, Monsieur le Président, vous l'élargissez au champ du politique, de l'héritage politique ? C'est la même chose. Du 23 mars 2024, nous avons déposé ces insignes, écrins ouverts sur son cercueil, au cours de la cérémonie de ses funérailles, en prononçant la formule de décoration suivante. En vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés par M. Tidjane Thiam, président du PDCI RDA, nous vous faisons commandeur de l'ordre du Bélier. Puis, après nous être inclinés devant son cercueil, nous avons retiré les insignes précédemment déposés sur le cercueil du récipiendaire défunt pour les remettre à M. Aouzi Jean, son fils. Immédiatement après, le présent procès-verbal a été signé par le fils du récipiendaire défunt et par nous. Fait et clos à Abidjan les jours, mois et ans sus-indiqués. C'est la même chose. Il faut que le meilleur, celui qui pourrait le mieux assurer la pérennité de l'œuvre, que Dieu nous aide à le désigner. Ou ceux qui demain seront chargés de désigner choisissent le meilleur. Mais ce que je recherche, c'est l'esprit d'équipe. Il faut que les gens s'entendent. Il faut que les gens s'aiment. Quel que soit l'homme qui aura été désigné, s'il y a l'esprit d'équipe, s'il y a l'amour des uns vis-à-vis des autres, il réussira mieux. Moi, je n'ai fait que débroussailler le chemin. C'est lui qui va l'élargir. Il faut que la suite soit plus heureuse. Mais cela ne se peut que dans un climat de confiance. Oh.
n'est jamais seul. D'abord, avec les idées qui vous assaillent, vous êtes toujours occupé. Vous n'êtes jamais seul. Même la nuit, dans des heures de méditation, vous ne trouvez jamais seul. Et pour moi, qui ai une conception, à savoir que l'homme a trois juges. Dieu, la conscience et le peuple, vous voyez que vous êtes toujours confronté à ces trois juges. Vous n'êtes jamais seul. Pour les obsèques de notre cousin, pour moi, frère, pour d'autres enfants et connaissances et amis, dit qu'il fait symboliquement un don au clergé de notre paroisse ici à Kwasikro, 200 000 francs pour le clergé et 50 000 francs pour la chorale. Et pour essuyer les larmes de son papa à Ouzi, il donne une enveloppe de 1 million de francs CFA et le charge d'informer papa qui passera le saluer à la maison dans son intimité pour recueillir toujours les conseils que papa a toujours apportés à cette équipe qui a la charge de diriger la région de la Guébé-Tiassa. Encore sincères condoléances à tout le monde et Yako de la part de Monsieur le ministre. Mesdames, Messieurs, Messieurs les officiels, chers parents, chers confrères, tout le soutien, tout l'amour que vous avez bien voulu nous apporter en cette triste circonstance. Cela nous a permis même de voir des parents, des amis qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Ceux qu'on voit aussi souvent ont été encore plus présents. Donc, nous vous remercions pour tout ce soutien, cette amitié, toute cette fraternité que vous avez apportée.
et nous vous remercions pour les prières pour que l'âme de mon frère Eric repose en paix. Après la collation, selon les instructions qui vous ont été données, nous demandons au Seigneur de permettre à chacun de retourner sain et sauf chez lui. Amen. Avant que Monseigneur nous donne la parole, je prends la parole pour dire un sincère merci à Monseigneur, à l'Esprit-Louis ici présent, qui a ménagé au cœur fort pour venir présider cette Eucharistie. Hier, il était à Boaké, et aujourd'hui, il est ici pour manifester sa proximité à la famille Boré, à ce secteur pastoral en Tecrobourg que nous dirigeons. Donc, nous disons sincèrement merci, Monseigneur, d'être là pour nous entendre. Merci pour votre paternité, toujours le confort. Nous voulons dire merci, SSC, merci au ministre Zemba pour sa présence. Merci à sa délégation, le corps électoral. Merci aux autorités administratives venues accompagner aussi notre ministre. Merci aux autorités politiques, aux autorités coutumières. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont effectué ton déplacement jusqu'à ici, à Boudé-Kouassiko, pour venir manifester votre proximité, votre solidarité, votre amitié, votre sympathie à la famille des journées. Allez, je sais que beaucoup viennent d'ailleurs, mais j'aimerais m'adresser à ce simple propos aux fils et aux filles d'Aboudé-Kouassiko. Hein, c'est le jeune qui vit dans ce village qui vous parle. Vous voyez notre paroisse, nous avons besoin de vous pour construire notre église. Et tous vos dons seront les bienvenus pour construire. Thank you.
ceci n'a pas existé. Nous sommes ici 60 tribus, avec des dialectes différents, nous ne comprenons pas. Même à la côte, il y a des centres éloignés les uns des autres de 3 ou 4 kilomètres qui ne se comprenaient pas. Donc, la langue de compréhension, c'est la langue française. C'est notre langue à tous maintenant. Il ne jurera pas, parce qu'il risque sa vie. Ta voiture passe ici. Oui. Dépose le corps, elle ressort de l'autre côté. Elle ressort de l'autre côté. Vous avez tout prévu. Oui, oui, oui. C'est ma tombe à moi. C'est celle que j'ai choisie en face, mon frère unique. À droite, mon fils est né, et à gauche, la maman. Et tous les autres, les tantes. Nous l'avons prévu même pour le petit enfant, il y a 68. Ma égalité. Mais qu'est-ce que ça vous fait, monsieur le président, qu'on soit à cet endroit-là? Un Baoulé peut toujours revenir. Le corps doit toujours revenir au village, même le plus petit. C'est là où il doit être enterré. Et nous en sommes encore là. Oui. C'est après votre mort qu'on décide de votre héritage. Même quand on dit dans la ligne matrilinéaire que c'est le neveu, ça ne veut pas dire forcément tel neveu du vivant de son père, de son oncle. Il y a 3-4 neveux, 10 neveux, on choisit celui qui pourrait le mieux servir la cause de la famille. Nous avons eu des contacts humains au niveau de notre territoire, les anciennes colonies, avec des Européens, les Français qui vivaient chez nous. Mm-hmm. Nous avons géré des affaires communes, ensemble, dans les communes de plein exercice, de moyen exercice, dans les assemblées territoriales, dans les assemblées fédérales, au niveau de Dakar, de Brazzaville et de Tananarive. Et certains d'entre nous sont allés au Parlement français. Et quelques-uns comme moi ont eu le grand insigne honneur de siéger dans le gouvernement français. On oublie souvent qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Et quand le dialogue n'a pas fait l'économie de la guerre, un jour il faudrait bien mettre fin à cette guerre. Il faudrait recourir au dialogue, négociation au dialogue. Mais dans des conditions difficiles, après des destructions de tant de vies humaines, de biens matériels, il y a une citadelle de méfiance qui s'installe, difficile à démolir.
C'est pourquoi nous avons préféré, nous, le dialogue que nous considérons comme l'arme de force de nos paysans. Mais dans un climat de paix sociale. C'est pour dire combien nous sommes attachés à la paix et combien nous devons la soigner comme la prunelle de nos yeux. Et nous savons que ce n'est pas facile. La vie est une course de la naissance à la mort. Et c'est une course dans les réalisations. Eh bien, puisque personne n'a encore atteint le but, nous n'avons pas le droit, nous, de nous décourager. On ne juge pas au départ dans la course. C'est à l'arrivée. Comme personne n'est encore arrivé, eh bien, nous avons notre place dans la course. Et nous devons nous armer de suffisamment de patience et de foi. Personne n'a choisi sa date de naissance, n'est-ce pas? Personne. Personne ne peut choisir la date de départ. Dans le passage, comme médecin, je sais que quand l'heure a sonné, que vous ayez deux malades de même âge, atteints de la même maladie, vous les assistez de la même manière, l'un dont l'heure n'a pas sonné peut guérir et l'autre peut mourir en vos mains. Bien, je suis donc arrivé à cette conception et que on ne doit pas craindre que c'est une fatalité. Malheureusement, j'avoue quelque chose, vous ne me croirez peut-être pas,
j'ai peur d'une seule chose, de l'avion. Mais donc, pour nous, puisque c'est une fatalité, on n'a pas à discuter. Et c'est la raison pour laquelle les animistes disent, ne faites pas la naissance, mais faites la mort. Parce qu'avec la naissance, on reste avec celui qui vient de naître pendant des années. C'est ça. Mais on se sépare sur Terre définitivement avec celui qui part. Alors il faut fêter son départ pour qu'il ne soit pas triste de l'autre côté. It's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Bonne fête des rameaux à tous les chrétiens. Seigneur, en ce dimanche des rameaux, nous nous tournons vers toi avec humilité et gratitude. Nous te rendons grâce pour l'amour inconditionnel que tu nous as témoigné en offrant ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, en sacrifice pour nos péchés. Nous nous souvenons de l'entrée triomphale de Jésus sur son cheval à Jérusalem, acclamé par la foule qui brandissait des rameaux en signe d'allégresse. Comme ces hommes et femmes qui t'ont accueilli ce jour-là, nous ouvrons nos cœurs pour te recevoir avec joie. Seigneur, nous t'offrons nos louanges et nos adorations les plus sincères. Remplis nos vies de ta paix et de ton amour, afin que nous puissions marcher à tes côtés, guidés par ton esprit. Au milieu des branches des palmiers, nous te prions pour toutes les personnes qui sont dans le besoin. Seigneur, réconforte les affligés, guéris les malades, soutiens les opprimés et apporte l'espoir à ceux qui sont dans le désespoir. Accorde-nous, Seigneur, la sagesse et le courage de tendre la main à ceux qui souffrent, de les soutenir et de les entourer de ton amour. Père céleste, en ce dimanche des rameaux, nous te demandons de nous aider à reconnaître l'importance de notre foi et de notre relation avec toi. Fortifie notre engagement envers toi, afin que nous puissions porter de beaux fruits pour ta gloire. Amen.